Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo courte pour répondre à une question très simple. Il s'agit de personnaliser l'interface de son Telegram. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer les couleurs des messages, les couleurs du menu, etc. C'est assez simple. Il suffit d'aller ici dans le menu, de partir dans les paramètres, de descendre jusqu'à arriver dans paramètres des échanges. Une fois qu'on est dans paramètres des échanges, on peut régler la taille. On peut aussi choisir la couleur du thème, donc nuit. Moi personnellement, j'avais sombre. Ça, il me semble que c'est le basique. Non, c'est ça le basique. Donc, vous voyez ici que le classique et le sombre, chez moi, c'est le même. C'est juste parce que dans les paramètres de mon téléphone, j'ai mis mettre les applications en mode sombre. C'est pour ça que là, de base, il est en sombre. Ensuite, ben après, on peut modifier un petit peu comme nous, on le veut, hein. Il y a des thèmes prédéfinis, mais il y a nous aussi, on peut tout faire. Donc, vous voyez, on joue avec l'intensité, avec les couleurs. Et aussi, ben voilà, ça c'est une fois qu'on reçoit un message dans... Je vous montre un. Juste ici. Au lieu d'avoir deux lignes, donc là et là, on peut choisir d'avoir trois lignes. Voilà, c'était juste ça la différence. Ensuite, donc le mode nuit automatique, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Navigateur intégré, partage directement. Activer les animations, emoji agrandi, ça je vais l'enlever d'ailleurs parce que ça sert absolument à rien. Mettre à l'oreille pour parler aussi, c'est quand on fait des appels. Bon. Tout le reste, c'est pas franchement intéressant. Je vous laisse vous aller regarder et un petit peu modifier, changer, regarder, personnaliser à votre sauce. Moi, je voulais surtout montrer comment on change et on choisit la couleur du thème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.